soleil vient de se lever. C'est l'heure du petit déjeuner. L'Amérique. C'est lui, loser. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le 18 septembre. Mercredi, 8h23. Je suis levé depuis 8h. Laura, 7h30. Gaston, il repart. Allez, hier soir je vous ai clôturé le Saint Vlog et après j'ai fait mon live. Et après, on est allé au lit, nous avons regardé notre série Un couple parfait, épisode 2. Ouais, c'est pas mal. Beaucoup de spéculations sur qui est le meurtrier, machin, c'est un peu un cluedo, tu vois. Donc très très intéressant. Non, c'est rigolo. Et cette fois j'ai pas eu mal à la tête. En fait dans le lit, Laura m'a mis du baume du tigre là dans la nuque, près des cervicales. Et en fait habituellement le soir je me mets sur le côté comme ça pour regarder la télé. Et là cette fois je ne l'ai pas fait. Je me suis mis bien allongé droit comme je faisais avant quand on avait le lit dans l'autre position et tout ça. Pour voir un peu si ça me flinguait quand même, en gros si j'avais mal à la tête. Et j'ai pas eu mal à la tête. Donc je pense vraiment que ce mal de tête qui ne survient que la nuit, que le soir, et je pense possiblement provoqué par simplement la position et les cervicales. Voilà, parce que là ça allait mieux. Je me suis juste levé à 3h du mat avec un ok. 3h du mat. Il partait pas, ce fils de. Hein ? C'était chiant. C'est comme ça. Et voilà. Bref, au programme de ce jour, on est mercredi. J'ai rendez-vous à 11h chez le médecin pour renouveler mon ordonnance pour les médicaments pour le cœur, l'attention, tout ça. J'irai probablement en moto s'il ne pleut pas. Avec la grosse veste parce qu'il fait pas chaud quand même. Ça y est, hein, il fait bon chaud. Non, mais, pas de mentir. Bon, ce matin, ressenti 10, mais 10 en moto, c'est 0, quoi. Donc, un peu saut, tu vois, un peu froid, tu vois. Donc, je prendrai ma grosse veste. Je vais la remettre. Et du coup, après ça, je vais chercher l'aiguille à laine de Laura, la mercerie du coup, dont elle avait besoin depuis plusieurs jours. Et aussi acheter tout ce qu'il faut parce qu'on a des box à préparer demain. Et là, je peux y aller en moto, normalement, je vais regarder, mais normalement, je peux y aller en moto avec le sac, ça devrait suffire. Stock mon sac fait isotherme et tout, donc ça va. Je vais vérifier, mais normalement, je suis censé pouvoir y aller en moto. Donc là, je vais faire la liste des ingrédients nécessaires pour ces box-là de demain. Et puis, on verra bien. Mais normalement, ouais, ça devrait faire comme ça. On a tout ce qu'il faut pour préparer. Et ça ira plutôt pas mal. Oh. Allez, let's go, les amis. Travailler. Et puis... J'ai la facecam de Laura à monter d'hier aussi, mais là j'ai oublié de prendre les cartes mémoire avec moi. Il faudrait que je charge les fichiers de télé. Et puis voilà, allez, on va travailler. Let's go. It's time. De bon matin, là comme ça. Chloé s'est levée. Chloé à 9h, elle part avec sa grand-mère à la radio. Il reste donc plus que Théo et puis Bibi et Léo qui rentrent tout à l'heure, du coup à 12h30 du collège. Le repas est déjà prêt, c'est ce que Laura l'a fait hier en vidéo, donc les knacks, les cakes hot dog revisités. Donc on n'a pas besoin de préparer tout ça, donc ça va. Et puis voilà. Allez, let's go, au boulot. Bon les amis, ça y est, il est 8h41. J'ai fait la liste de ce que j'avais besoin pour les box de demain. Il n'y a pas besoin de grand chose, on avait déjà encore pas mal de stock, donc au moins je peux y aller en moto avec le sac, c'est pas grave. Là Théo il est en train de faire ses révisions. Chloé bah, elle va pas tarder à partir. Et moi bah, j'ai fait la liste des ingrédients, machin et tout ça, je suis content. Bonne chose en fait. Là je me change juste, j'enlève juste mon pantalon là. Et je mets mon pantalon moto, comme ça il est déjà mis pour tout à l'heure. Comme j'ai dit, je mets le pantalon moto, déjà ça protège plus. Même si des fois, j'avoue que je le mets pas, je mets un pantalon jean. Et surtout, pour le froid, c'est mieux. Parce que tu vois, l'épaisseur d'un jean normal, et l'épaisseur du jean moto, ça n'a rien à voir. Hop. J'ai lourd. Puis il est renforcé et tout au niveau des genoux, des fesses. En cas de chute, c'est quand même mieux. Ah, tac. Ah, ça,
un moment que je l'avais pas mis. Et ça fait un moment que j'ai pas fait la moto, ça fait au moins 15 jours. Tant il faisait pas moche, hein, mais pas eu le temps. Pas eu le temps et pas eu l'intérêt, parce que quand tu vas faire des courses et que t'as trop de courses, bah tu peux pas prendre une moto. Je vais pas m'encombrer comme une bourrique. Et tout, hein. On va mettre la ceinture, parce qu'il se casse la gueule ce con. J'ai acheté quand je faisais 20 kilos de plus, donc forcément. En tout cas, je suis en train de dégonfler. Putain, je le vois à vue d'œil. Avec la chaleur qui part, bah en fait, je suis en train de redégonfler. Je dis alors, ah putain, donc c'était bien ça, quoi. Tac. Voilà. C'est bon. Pantalon moto, il est mis. Maintenant, je vais aller bosser parce que j'ai monté la carte mémoire de la vidéo de Laura de recette d'hier. Donc, je vais la monter, faire la miniature et tout, la programmer. Comme ça, c'est fait. Ah. Allez. Let's go. Isprod. Et du coup, c'est quoi? C'est Hot Dog Revisité. Hot Dog Revisité. Je commence à remanquer de place sur mon disque dur. Voilà. Laura Template 21. Toujours dans le logiciel 21, parce que le 22 il continue de planter. Donc bon. Allez, let's go. Au travail. C'est y part. Bon, les amis, il est 9h30 et j'ai terminé de monter la vidéo de Laura. Je vais me faire un petit café au lait. Mais c'est bon, vidéo terminée de monter, rendue, envoyée sur YouTube, programmée, tout ça pour aujourd'hui 19h. C'est vrai que les replays de live de Laura, je les mets à 19h parce que c'est des vidéos un peu à part, c'est pas des facecam ou des replays ou des vlogs, des trucs comme ça. Et si je les mets à la place de facecam, je me retrouve avec trop d'avance au niveau des replays de live et des facecam, donc c'est un peu galère, quoi. Donc ça c'est fait, je vais aller me faire mon petit café au lait et puis après je vais tourner une vidéo sans langue de bois ce matin et je retournerai une probablement cet après-midi. De toute façon là je pars pas maintenant, j'ai rendez-vous à 11h donc j'ai encore une heure devant moi large avant de partir, donc ça va, tranquille. Ouais. Ah. Théo qui m'écrit en disant oublie pas ton rendez-vous, je m'étais con quoi. Il me dit bah non mais on sait jamais, t'es un peu doupi, je m'appelle pas Laura. Je prends les rendez-vous, je les enregistre et je sais à quelle heure c'est. Hein. Ouais, mais il y a surtout après j'espère juste avoir le temps d'aller à la mercerie pour acheter l'aiguille à laine pour Laura. Parce qu'elle en a besoin pour terminer ses bandeaux et tout ça, elle en a fait pour Libby, Chloé, sa copine et tout. Et le truc c'est qu'elle a besoin de ça et la mercerie ferme à midi. Et moi j'ai le médecin à 11h. Admettons qu'il a un petit peu de retard comme d'hab, une quinzaine de minutes. Ça va être un peu la course pour aller chercher son aiguille. Et après je dois aller à l'Inter pour aller acheter ce qu'il faut au niveau des ingrédients, machin et tout ça. Pour les box de demain. Mais voilà, ça va le faire. Oui, ça va le faire. Bon allez, je vais me chercher mon café au lait. Bon les amis, je suis en train de redémarrer le PC là. Comme j'ai dit, avant qu'il plante, je fais un petit redémarrage une fois de temps en temps et ça lui fait pas de mal, c'est coquin. Là je suis en train de le redémarrer. Comme ça il me fait les mises à jour à la con là et tout ça. Comme ça c'est fait. Bref, je suis descendu, je me suis fait mon petit café au lait une fois de temps en temps, j'en bois un. Hein. J'aime pas le café comme j'ai dit, mais café au lait ça passe. Bon bah il a planté. Oui. Au moment du redémarrage, il a planté ce con. Il est figé. J'ai bien fait de le redémarrer. Il faudrait vraiment un jour que je me penche pendant une journée et que je réinstalle tout. Je reformate complètement le PC, que je désinstalle, que je réinstalle Windows, machin. Mais franchement, j'ai pas envie, j'ai pas le temps de passer une journée à faire ça. J'ai des montages tous les jours, machin, des lives, je peux pas. Mais ma foi, c'est comme ça. On verra bien. Allez, redémarre. Plus avec le logiciel de montage qui plante une fois de temps en temps. Enfin, bah la version 21 elle tourne, mais la version 22, quand j'ai essayé, ça refait planter le PC et puis à chaque fois ça me fout le bordel. C'est chiant. Aïe, aïe, aïe. Là, de toute façon, je vais tourner une vidéo sans langue de bois là. Je vais préparer le tournage, le sujet, et puis hop. Let's go. Petit tournage de vidéal sans langue de bois. Toujours devoir aller désactiver mon casque, enfin le unfree du casque, ça c'est chiant par contre. Avant sous l'ancien Windows il n'y avait pas ce problème. Et là maintenant il y a cette merde là, à chaque fois que j'aille le désactiver à la main c'est casse-couille.
encore de la place sur mon disque. Putain, j'ai plus de place sur mon disque dur. Faut que je refasse de la place. Mais mon autre disque dur. Ah, si, il y a de la place sur mon disque dur comme ça. Donc, je vais prendre ça et je vais le foutre sur l'autre. Voilà, sur le disque de backup. Ça transfère 30 gigas. Parce que, ouais, ça m'a supprimé. Faut que j'aille la corbeille. Je vide la corbeille aussi. Pour faire de la place. Tac, voilà. Hop. Allez, préparer au tournage la vidéo sans manque de way. Hup là. Et voilà. Allez, let's go. Blue. Bon les amis, attendez, j'ai mis en pause ma vidéo YouTube. Il est actuellement 10h19, je viens de tourner une vidéo sans langue de bois, c'est bon, elle est montée, elle est en cours de rendu, je vais pouvoir l'envoyer sur YouTube. Donc c'est bon, ma mission est faite, je voulais en faire une avant de partir ce matin, comme ça au moins j'en ai une de plus, et j'en ferai une encore cet après-midi. J'ai fini. Oui, j'ai du sopalin sur mon bureau, c'est simplement, il était même pas utilisé, vous voyez. C'est quand j'ai eu le rhume le lundi, je me suis réveillé avec le nez complètement pris, ma mère m'a dit « faut te moucher ». Alors du coup, bah, je me suis mouché, j'avais pris du sopalin pour me moucher. Putain, merde, putain, je me suis renversé. Ah, ça va. C'est un peu sur le pantalon. Putain de merde, je te jure. Qui est con, putain. Donc oui, j'ai tourné une vidéo sans langue de bois, je voulais en tourner, j'en tournerai une cet après-midi aussi. Alors du coup, c'est la combientième là? La 27e. Oh là 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 là. Pour le 21 septembre. C'était la 27e. Eh, ça fait presque 30 vidéos sans langue de bois que je fais et j'ai toujours des idées, hein. Enfin, vous m'en soumettez, quoi. Mais c'est bien. C'est où? Là. Voilà. Oh putain, chier quoi, je me suis renversé comment quoi. En fait, le problème c'est que j'ai mes lunettes et quand je fais comme ça, j'appuie sur mes lunettes et je me fais des marques sur les lunettes. Enfin, je mets des traces de doigts et ça me saoule. Donc j'essaie de faire gaffe. Putain, merde. Donc 27e vidéo sans langue de bois. Et là, c'est. Tac. Et voilà, du coup, j'ai la miniature qui a été faite tout à l'heure. C'est bon. Bon, mais ça a redémarré, c'est bon. Ouais, parce qu'en fait, quand mon logiciel de montage plante, ça me fait planter un peu le PC et après il a des petits soucis, genre il a quelques temps de latence quand tu fais 2-3 trucs de travail. Donc voilà, donc, comme ça c'est fait. Donc là, c'est bon, elle est programmée. Si je retourne une cet après-midi, je reprends de l'avance jusqu'au 22. Donc je reprends l'avance que j'avais perdu ce week-end, samedi, dimanche, quoi, j'ai pas pu tourner de Facecam. Bah, samedi, parce que j'avais flemme. Là, réellement, samedi, j'avais absolument pas envie. Et dimanche, bon, on était pas là, donc j'ai pas pu en tourner de toute façon. Et puis samedi, j'étais flemme, mais j'ai quand même bossé. Mais j'avais pas envie de tourner une facecam, tu vois. Bon, c'est bon, ça c'est fait. Je vais pouvoir descendre. Je vais aller me mettre mes bottes moto. Il est 10h20, je pars dans une petite demi-heure. Je vais juste faire réviser la leçon à Théo, du coup, qui était en train d'apprendre. Et puis après, bah, je partirai tranquillou. Je pense pas prendre la caméra. Ah si, cette fois, je vous la prendrai, tiens, je crois. Est-ce que je prends la GoPro ou la 360 pour filmer en moto? Oh, ce serait sympa, je trouve. Oh. Ah ouais, peut-être. Ah ouais. Ouais, je verrai. Et du coup, c'est moi qui l'ai fait, c'est ça? Encore une fois. Laura, elle a reçu un appel d'une mutuelle, du coup. Sur le téléphone du boulot, ils nous ont abonné à une mutuelle sur le téléphone du boulot au nom d'Adrien Gardavue. Oui, bonjour, c'est pour une mutuelle, Adrien Gardavue. Ils sont cons, en plus d'appeler, ils se rendent pas compte que c'est du troll, eux. Je te jure, putain. Hey. Je lui ai dit, sur le coup, j'ai pas compris. Ouais. Et du coup, je lui ai dit, elle me demande si on veut parler et tout. Et je lui ai dit, bah non, ça m'intéresse pas. Si c'est un numéro professionnel en plus, donc voilà. Ouais. Et elle me dit, mais vous avez fait une demande de souscription au nom de Gardavue Adrien. Moi, je lui ai dit, c'est une blague. Hein? Elle me dit, bah non. Je lui ai dit, c'est quoi le nom? Elle me dit, Adrien. Je lui ai dit, non, le nom. Elle me dit, Gardavue Adrien. Il me dit, vous foutez de moi.
Elle me dit bah non, j'ai une demande de souscription à ce moment-là. C'était quelle mutuelle? Parce qu'ils ont, ils emmerdent des gens en plus qui n'ont rien à voir avec ça. T'as enregistré de toute façon, oui. Non mais. Voilà. Putain. Quoi? Putain. Ils nous inscrivent à des mutuelles, des trucs et tout pour qu'on soit emmerdé au téléphone. Ah, tu veux? Je vais chez le médecin après, oui. Pourquoi? Oui, bah de toute façon, je pars pas tout de suite. T'as tout appris, c'est bon? Pas tout, mais je. Bah t'apprends tout. Non, 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 non tu apprends tout. Mais pour l'instant, faire ça. Non, tu apprends tout et je te fais réciter tout. Aïe, 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 aïe. Quel bande de cons. Ah. Je tourne une vidéo sans langue de bois. Sur le fait maison. Je fais maison et tout ça. Parce que j'avais parlé du budget la dernière fois en sans langue de bois. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont dit bah de toute façon le fait maison ça fait faire de sacrées économies. Du coup j'ai pas un peu parlé de tout ce qu'on faisait fait maison. Je parlais de la Borealia forcément. Ah putain. Ah oui. Putain, il y a du vent hein. Oui. Je vais me les cailler un peu je crois. Oui. Oui. Merci de ton encouragement. Je vais me les cailler. Ouais. Oui. Oui. Ouais, ça va, je mets la grosse veste de toute façon. Je mets pas la petite. J'ai vu que tu es en train de ranger les tuyaux, machin et tout. Ouais. Donc aiguille à laine. Hein. Oui. Je demande une aiguille à laine. Pour la grosse laine. Pour la grosse laine. Et si un diamètre, 6-5, c'est ça? Si une laine, c'est du 9? Ah, ok. Oui, parce que la 6-5, t'avais réussi avec une aiguille normale. Ok. Ça marche, chef. Faudra aller à la déchetterie, hein. Oui, bah de toute façon j'ai détruit dans le puissette acheté aussi. Parce que la porte est fou, on n'aura pas la carte. Bah je savais pas si on la gardait ou pas. Est-ce qu'on la jette du coup? C'était Mathieu il me demandait. Non mais on sait jamais qu'on la remette un jour, je ne sais pas. Parce que du coup les montants sont faits pour cette porte-là. Mais non. Sinon je le fous dans le garage en haut. Je sais pas trop. Les amis, je suis rentré, Laura là, enfin ses aiguilles à laine que je suis allé chercher à la mercerie, c'est une toute petite entreprise là à Saint-Dié. C'est bon, ça fonctionne? Ah bah alléluia. Ouais, normalement. Bon, je suis rentré, c'est bon, je suis allé chez le médecin, j'ai mon ordonnance, il faudra que j'aille à la pharmacie pour chercher mes docs. Et puis bah tout va bien et tout, et ensuite je suis allé, en fait je me suis dépêché parce que la mercerie fermait à midi et le médecin était un peu à la bourre. Je me suis grouillé et c'est bon, j'ai réussi à y aller. Et après, bah, je suis allé à l'Inter, j'ai acheté ce qu'il fallait pour les box de main, c'est tout bon. C'est réglé. Je ne sors plus, je ne bouge plus. Ah, putain. Ça y est, Théo, il a commandé son nouveau moteur pour sa Mégane. Ah. Oui. Il m'a envoyé une capture d'écran de son compte où c'est marqué paiement 800 euros. Il dit, ah, toi, t'as commandé ton moteur. Il a dit, ouais, ça y est, il dit putain, et bon, il a dit, j'ai de l'argent de côté, mais ça fait toujours chier. Je dis bah oui je sais je comprends. Et après je lui ai dit bah c'est comme moi regarde mon casse moto là je me suis niqué l'œil encore. Je dis mais j'ai pas envie de claquer 200 balles pour ça. Ouais. Je dis ça me fait chier parce qu'il est encore bon et c'est juste que bah il est pas confortable mais c'est pas grave. Il me dit ouais mais tu fais chier avec ton casque tu vois on va te le commander sans te le dire et tout. Je dis bah vous pouvez toujours essayer vous connaissez pas le modèle et la taille. Ah je dis mes parents ils ont voulu faire pareil mais ils ont pas le modèle et la taille. Mais je dis ouais je comprends même si t'as un peu d'argent de côté ça fait toujours chier quoi. Aïe aïe. J'en ai pour 9 euros tes aiguilles, ça va hein.
trouve que c'est pas... Les autres ? Bah elle m'a dit si les autres, si celle-là ça va, les autres amène-les. Elle a dit. Bon bah voilà, nickel. Bon, j'enlève mon pantalon moto parce qu'il tient trop. Alors j'ai eu chaud. Hein. Mais bon, je préfère avoir chaud que froid. Donc c'est pas grave. Je vais remonter ça, je vais remettre mon jean normal. Hop. Il y a les bons hot dog revisités pour les gosses là. Oui. Oh là là. Oui. J'ai filmé en moto avec la 360. C'est à moi que tu vas ? Ah oui, c'est à toi. Ah. Ça fera une vidéo. Je vais en mettre un petit passage en vol. Ça fait du bien d'être en calbute là ? J'ai bien, j'avais chaud, chaud. Bah, il est ultra épais ce truc. Hein. Ouais, ouais, bah en moto, je vois. Bon, je vais me rhabiller, me refroquer correctement. Là, j'ai papier à envoyer parce que j'avais pas ma carte vitale, Laurent l'avait gardée. Tu m'as fait une feuille de soin. Et puis voilà. Let's go. J'avais coupé la cam, Laurent me dit attention, t'es prêt. C'est pas prêt. Ok, d'accord, ok, ok. Bon les amis, les cakes au knack, c'est une dinguerie. C'est des hot dogs avec des cakes quoi. Franchement, Laura elle a fait ça en live hier, c'était vachement bien. Et elle a fini son bandeau. Alors, ouais, la dame là-bas, elle me dit... je lui dis, ah mais elle arrête pas, elle me dit, c'est vrai, elle a déjà fait des trucs, mais elle fait des bandeaux pour les cheveux. J'ai dit, oh là 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 là. J'ai dit, elle ne s'arrête pas. Bon, ça coupe le fil, hein. Oui, bah oui. Vraiment ? Ouais. Avec ta vaisseur. T'es contente, hein ? Le couloir, c'est la sortie. Merci. Bon. Là, je suis en train de faire celui de Chloé. Oula ! Et celui de ta copine ? Bah, ah, bon, bah ça va, elle sera heureuse. Parce qu'elle n'arrête pas de dire alibi, parce qu'elle bosse au collège. Mon bandeau, ça en est où ? Oh, les amis. Du coup, je suis allé bosser. Laura l'a fait son live. Là, elle est en live Insta. Et ensuite, j'ai joué un peu avec Théo. Et j'ai pas vlogué depuis tout à l'heure. Il est 16h30. C'est pas très gentil, ça, de ma part. Bon, oh, c'est bon. Bref. Là, je vais descendre. On va voir un peu comment ça se passe en live. Tu es en live ? Non. T'as fini ? Ouais. Ah, parce que j'ai vu une notif comme quoi t'avais relancé. Non ? Bah, je t'ai posé des questions, moi tu m'as déjà pas répondu avant. Quoi ? Je t'ai dit, t'as relancé une deuxième fois, j'ai reçu une notif bah, pour je t'ai un dit autre live. Non, mais non, tu m'as rien dit du tout. Je me suis même dit, putain, elle répond pas. De quoi ? C'est parce que tu m'entends pas que je réponds pas. Oui. J'ai bah... dit l'autre qui m'avait envoyé les trucs de TVA. Bah, tu lui as répondu pour dire que c'était pas le bon numéro ? Bah, non, tu m'as dit de pas répondre. Non, je t'ai dit, t'as qu'à dire que c'est pas. Non, tu m'as dit de pas répondre. Je t'ai dit, je fais quoi ? Je lui ai dit qu'elle s'est plantée ou quoi ? Bah là tu peux lui dire, parce que si t'envoies des papiers confidentiels de TVA... Ah, confidentiel. Oui, c'est ça. Quelqu'un dans le live de bon les amis... Il y avait quelqu'un qui a dit... ramène-nous, je sais pas quoi, les banques sont un truc, soit sur la maison 72 et tout. Bon, je vais chercher mes médocs du coup à la pharmacie. Et après quand je rentre, tourner une vidéo 5 de bois. Non, franchement non, je tournerai demain. J'ai pas envie de tourner une vidéo 5 de bois, c'est bon. J'en ai déjà fait une ce matin, ça va. C'est bon, j'ai de l'avance, tranquille. Alors, j'ai un peu mort d'être sur le PC de toute façon. Juste que je récupère ma carte vitale du coup. Vu que Laura ne l'avait pas rendue. Bon.
Quel nom j'ai, mon ordonnance? Oh putain, comment tu veux qu'on peut comprendre ce qui est écrit? Bon les amis, il est 17h51, je suis revenu de la pharmacie avec Théo. Et puis en fait Léo et Libby sont arrivés au même moment. Parce qu'ils rentraient cet après-midi, sont allés du coup au sens culturel, là où il y a un accueil pour les ados du collège. En fait ils peuvent venir tous les mercredis après-midi, il y a des activités, des machins. C'est un peu comme il y avait la commission jeunesse avant. Et du coup bah là ils sont rentrés de ça. Donc on va les inscrire parce qu'ils voulaient y aller. Et là faut les inscrire parce que les places sont limitées et tout. Est-ce qu'il y a un bricolage à faire? Bon, il n'y a pas de bricolage à faire. Oh. Ah bah hé, hey, faut pas tout le temps bricoler hein. Et du coup ouais, alors, ils ont ramené les papiers, je suis allé chercher mes médocs, mais avant on est allé voir Gaston et sa femme parce qu'ils sont venus, elle est venue voir du coup l'avancement des travaux de l'appartement du bas qui va être en Airbnb là. Et puis du coup bah, je suis allé les voir parce que il est passé plusieurs fois en klaxonnant mais j'étais occupé. Du coup on allait discuter, Laura elle est venue parce que il se posait la question pour le remplacement du frigo machin et tout ça. Et du coup bah j'ai dit attends j'appelle Laura. Du coup elle est venue. Théo il a retiré des lattes parce qu'il faut retirer les dalles du sol en PVC, du coup il a fait ça pendant qu'on discutait. J'ai une idée, est-ce que je pourrais faire. C'est trop bas là, ils iront pas là. Ça va trop bas. Et du coup, après j'ai eu ma mère au téléphone, on a discuté de la vidéo que j'ai sortie, là où je parlais justement. Nombreux à commenter et à regarder surtout. Les gens qui regardent la nuit en forêt de l'année dernière. C'est bien. Si la façon dont maman regardait, genre limite, elle me prenait pour un imbécile, c'est. Bon, vous avez fait. Apparemment Léo a mis des notes, j'ai cru voir ça. Laura elle est en train de préparer des pâtes pour la box gourmande parce qu'on a pas mal de box demain. Et du coup ça les pâtes elle peut, niveau leur hygiène et tout, elle peut les préparer à l'avance. Du coup on en préparer plusieurs. Quoi? J'avais un caillou à gauche. Ah. Bon, les pâtes de Léo. Physique chimie 20 sur 20 en tableau de conversion et 12 sur 20 en réalisation des conversions, dictée 15,5 et français 17 à l'oral. Putain, j'ai commencé. Il a 16 de moyenne pour l'instant Léo au premier trimestre. Bon, il n'y a pas énormément de notes, mais c'est déjà bien quand même. Libby, bon, Libby, elle a une note. Non? Deux? Ouais, 16,50 en maths, elle a eu un test mathématique et 17,5 en histoire sur la bataille de Verdun. Bah oui, quand t'apprends ta leçon, t'as forcément... Ah là, la meilleure note d'ailleurs. Eh hey, chérie, Libby, elle a eu 17,5 en histoire là, tu sais. Elle a la meilleure note. Ouais, bah de toute façon, quand t'apprends ta leçon... Je t'avais envoyé quelque chose. Oui, je suis en train de regarder. Je peux. Et Léo, il a eu 20 en physique chimie. Il a eu 20 sur 20 en physique chimie. Sur le tableau des conversions, il a eu 12 sur 20 en exercice sur les conversions. Waouh, bravo. Ouais. Et j'ai 16 de moyenne. Qu'est-ce que tu fais, Théo? Mais pourquoi la nappe, elle est enlevée, là? Oui, elle a l'air de s'être retournée. Bah, il y a du vent aujourd'hui. C'est bien, les notes, pour l'instant. Bah oui. Faire ses devoirs. T'as fait tes devoirs pour demain? Oui. Tout est fait? Je te l'ai montré. Oui, c'est vrai. Ça y est, les pâtes sont faites? Oui. Ah. Oh, je tourne vite au sang de bois ce matin, je retourne pas une là, je m'en fiche. Non. J'ai retrouvé un peu d'avance, ça va. Comme ça, j'ai juste mon blog à monter. Et puis, on peut aller au lit, il n'y a pas de live ce soir. Eh, hey, c'est rien, ben. Oui. T'as les bas plats de farine et tout. Et pourtant tu mets des gants. Après ouais, quand tu les enlèves. Non c'est parce que j'ai. Ah t'as le plan de travail. J'ai
Bon les amis, on est actuellement 19h, on vient de terminer de manger. Ah ça y est, on mange plus à 18h. On a mangé du coup, c'était farfalle au chipo et sauce tomate et petit pois carotte et tout ça, c'était très bon. Voilà, on a bien mangé. J'ai chargé aussi avant qu'on l'aura préparé à manger, j'ai chargé les fichiers de ma vidéo 360 du coup que j'ai fait de moto aujourd'hui. Donc je la monte aussi et j'ai mon vlog à monter aussi. Donc je sais pas ce que je vais monter en premier. Je vais peut-être monter la vidéo 360 en premier. Comme ça c'est fait. Dans tous les cas, je vais vous clôturer cette vidéo. J'espère que ce vlogu vous aura satisfait. Voilà. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Salut. Ah oui, et puis les appels, ça continue. Ah voilà, ça y est. Ah ça y est, elles sont lancées. Oh là là. Aujourd'hui au moins 10 appels en absence, numéro inconnu avec message vocal, machin et tout ça. Comme si, tu sais, ça suffisait pas, les plaintes, les machins. Non, faut continuer. Mais voilà, le harcèlement dans son plus simple appareil de toute façon. En plus de cet appel de téléphonique de mutuelle ce matin. Pour ça, Laura, elle reçoit un appel. Oui, vous avez demandé à souscrire à notre mutuelle. Elle dit, quoi? Tu es au nom d'Adrien Garde à Vue. Donc ça inscrit notre numéro professionnel à des comparateurs d'assurance et de machin comme ça pour qu'on soit emmerdé tout le temps. Enfin bref. Le harcèlement. Voilà. Mais non, c'est moi qui ai dû faire ça. Oui, c'est vrai que le harcèlement n'existait pas et c'est moi qui l'invente, bien évidemment. Allez, let's go. Des bisous. Salut.